Salut, salut la team, salut tout le monde. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Nouveau format, nouvelle vidéo, 30 minutes. Voilà, vous êtes à l'épisode 2 de la semaine dernière, hein, que vous avez vu mercredi. Donc là, on est samedi. Et je me trouve actuellement à Angoulême. Je suis sur la National 10. Et je vais prendre direction Limoges. Je sais pas si vous avez vu par terre là juste avant, il y a eu un accident hier là, il y en a pas mal qui se sont tapés là, il y avait 20 km de bouchons hier dans ce sens là. Donc là on va prendre direction l'autoroute A20, on va rejoindre l'autoroute A20 à Limoges pour reprendre direction Orléans. Donc là, je vais sortir bientôt, là, dans 2 km. Et on va récupérer la nationale 141. Sortie. Direction Limoges. Regardez, c'est ici. C'est pareil, avant je passais par là parce qu'on avait le droit de doubler et c'était pas limité à 80. Maintenant ils ont interdit de doubler et limité à 80 sur la nationale, la nationale 141. Fait pas longtemps. Mètres, tenez la gauche. Voilà. Tenez la gauche. 80 pour les camions et interdiction de doubler au plus de 3,5 tonnes. C'est dans la continuité de la National 10. Et avant ça, ça y était pas. Il n'y a pas longtemps que ça a été fait ça. C'est un peu chiant même. C'est un peu chiant. Ah, il y a le soleil qui arrive. On va avoir beau temps la team. On va avoir une vidéo en soleil.
98 Guy Raymond-Husson 234. Bon, allez, me voilà sur la départementale 951. Alors, ce qui est bizarre, c'est que apparemment, j'ai vu un panneau par là, interdiction aux 19 tonnes. Je comprends pas parce que par là, on a le droit d'y passer. On avait le droit d'y passer. Je vois pas pourquoi que. Et il n'y a plus de panneau par là, donc je comprends pas. Je comprends pas du tout. Là, je suis en direction de Montluçon, donc la route, il y a un camion devant moi. J'en ai croisé, donc c'est la route qui va à Montluçon, donc je vois pas. Je vois pas où est le problème. Enfin, c'est pas grave. Regardez, il y a le soleil qui commence à arriver. Là, le ciel, il commence à bien se dégager, là. Ah, c'est génial. En fait, c'est interdit de doubler à partir du 19 tonnes. Vous voyez, regardez, c'est marqué là encore. C'est pas que c'est interdit aux 19 tonnes, c'est que c'est interdit de doubler aux 19 tonnes. Nuance, c'est pas pareil.
Avignon, on en croise beaucoup des combrondes. Ailleurs, il y a pas mal de passages de camions par ici. Hein. En fait, c'est la route qui mène d'Angoulême à Montluçon. Hein. C'est pour ça qu'il y a un peu de trafic quand même. Oh, c'est de la bonne route. Hein. Là, on rejoint la Nationale 20 par là. L'autoroute A20 par là. Danger temporaire sur 2000 mètres. Vitesse limitée à 90 km par heure. Ça sert à quelque chose. Ouais, il me l'a bien annoncé, hein. Regardez. Le danger temporaire est... Oui, le danger temporaire est toujours là. Je suppose qu'il y a un comité d'accueil plus loin. Il y aura les motards certainement. Regardez la grande ferme qui est là. Belle ferme. Hein. C'est déjà une belle ferme. C'est agréable de rouler de ce temps-là. Il fait beau, il fait bon. Ça, c'est bien. Là, au prochain parking, il va falloir que je m'arrête. J'ai ma coupure à faire.
avant ici pour mettre un radar ou un arrêt de bus, mais là franchement alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de commandes de parking pour faire des coupures, là ça y est, je suis allé fermer. Il y a trois camions devant moi, j'ai aperçu là-bas. Là, s'ils s'arrêtent, ça va être difficile. Ah, le problème des petits axes comme ça, pour trouver des parkings, c'est pas toujours, toujours évident. Ça grimpe hein, par là hein. Tout à l'heure là ça grimpait pas mal. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme étranger sur ces routes là? Oh là là là, depuis tout à l'heure tous les parkings sont pleins. Alors c'est des petits parkings, alors les mecs ils se mettent au milieu et comme ça il y a la place à deux camions, mais non, faut qu'ils se mettent au milieu. J'arrive à 4 heures de conduite, donc j'ai encore 30 minutes pour trouver une place. Mais bon, le problème de ces petites départementales là, c'est que bah il n'y a pas beaucoup de parking, et puis bah dès qu'il y a un parking, il est pris quoi. T'en as qu'on a. Il faut même pas de coupure, hein. T'en as qui s'arrêtent pour manger, il faut pas de coupure, ils repartent, voilà. Il y en a qui s'arrêtent et ils restent là une demi-journée. Mais on en aperçoit quand même des éoliennes. On arrive à la boule d'or. Elle est écroulée là, regardez sur la gauche. Il y a même une voiture en dessous. De la Haute-Vienne, là je viens passer le panneau département de la Haute-Vienne. Après 400 mètres, tournez à droite.
arrive dans le petit village de, je vais vous dire ça, Champeaux. Dans le village de Champeaux. Vitesse limitée à 50 km/h. Danger permanent sur 500 mètres. Tournez à droite. Vitesse limitée à 50 km/h. Bon, j'ai réussi à faire ma coupure. Hein. Je me suis arrêté à l'arrache là tout à l'heure. Là. Là, je suis tranquille jusqu'à. Bah, j'ai encore 4h30 à rouler. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Là, ça va me faire rouler jusqu'à 18h à peu près. Après 800 mètres, faites demi-tour. Alors, je sais pas pourquoi que GPS, il veut pas, Sophie il veut pas me laisser continuer tout droit. Pourtant, l'autoroute A20, elle est à quelques kilomètres d'ici là. Bien dans ta tête, Sophie, ça va pas ou quoi ce matin? Après 400 mètres, faites demi-tour. Oui, bien sûr. Ah, il va se remettre sur le bon chemin, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi il veut pas. Faites demi-tour. Ouais, qu'il veuille aussi à faire de mise à jour, hein. Ça fait déjà un bout de temps que j'ai pas fait de mise à jour là-dessus là. Que j'emmène chez moi là pour faire la mise à jour de la carte, des cartes. Le problème c'est qu'à chaque fois j'oublie alors. Parce qu'en wifi pour faire la mise à jour dans toute l'Europe, hein, parce que j'ai tous les pays d'Europe. Je suis obligé de l'emmener chez moi pour le faire en wifi parce qu'autrement sur le camion ça irait pas. Donc de temps en temps je le ramène à la maison puis hop j'ai fait un petit coup de mise à jour. Mais là ça fait déjà ça fait quelques mois que je ne l'ai pas fait. C'est un peu pour ça que des fois ça merde. C'est un peu de ma faute, on va dire. Bah, il fait bon pour rouler. Hein. Là, j'ai actuellement 17 degrés dehors. C'est un très bon 17 degrés. Si il fait beau, hein. Il fait bon. Pour un mois de février. Ah, j'ai mal dormi cette nuit là, j'étais malade, là, j'avais mal au ventre. Et en plus de ça, le frigo il a tourné toute la nuit. Là ça va, je suis. Cette nuit je devrais bien dormir parce que le frigo il est éteint. Comme ça je vais être tranquille. Ah si, on voit quand même les rétros. Mais bon.
large qu'une semi, donc il doit pouvoir mettre 2, 4, 6 ou 8 palettes en large. Mais bon, faut pas que ça soit très lourd non plus. Hein. Parce que si c'est très lourd, trop lourd, ça c'est des véhicules légers quand même. Prendre direction l'autoroute A20 là, direction Montluçon, Guéret-Limoges. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. C'est la nationale 142. 147, pardon, 142. Alors il faut dire que le panneau il est à moitié effacé. Nous sommes en Haute-Vienne, hein, c'est marqué là, Haute-Vienne. La 20, nous sommes à 36 km de la 20. Regardez là, le beau panorama, la belle vue qu'on a là. On commence à avoir des bestioles qui se collent sur le pare-brise. Là j'ai 18 là. Parce qu'il y a pas mal de sable. Ça a dû taper là, par là. Un peu par là, hein. On n'est pas loin de Limoges, hein. C'est encore un peu vallonné, hein. Après direction Châteauroux Orléans ça va être plus plat parce qu'après on va choper la Sologne, c'est bien droit, bien plat, un peu comme les Pays-Bas on va dire.
bon, on va arriver à la fin de notre deuxième épisode. Hein. On va appeler ça comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, nouveau format, hein, 30 minutes. Alors n'hésitez pas à liker. Traverser le rond. Partager. Deuxième sortie. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.